Bonsoir, bonjour les petits humains, nous sommes à la fin de cette grotte et... Ils ont vraiment du mal les pygmies violets en fait. Ok, ils peuvent porter plein de trucs mais ils sont vraiment lents. Ok, vous, vous allez rester posé là et moi je vais aller voir directement ce qu'on... Ce que nous cache ce truc. Oh! Allez voir. Nanana. Le courage forgé. Il vaut 100. Ce matériau a des priorités étonnantes. Je vais l'ajouter à cette combinaison. Le traitement est terminé. J'ai réussi à admirer ma dernière invention, le parabrûlure. Parce qu'elle résiste aux températures élevées, cette combinaison ne craint pas le feu. Ça veut dire qu'on... C'est déjà activé maintenant? Ah! Ça veut dire qu'on peut aller se faire des câlins au feu, on aura pas mal. Enfin, qui ira faire des câlins au feu après? À vous de voir. Bon. On va prendre les Pikmin jaunes. Et les Pikmin jaunes. On va prendre les Pikmin jaunes. Et les Pikmin jaunes. Ça fait tellement style YouTube poop sur le moment. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, on va casser ça avant. J'aimerais pas que les Pikmin jaunes meurent. On a déjà fait assez de pertes sur le moment. Ça ferait mal d'en avoir plus, non? Répondez pas, la réponse est déjà... Je suis déjà tout de suite à propos de la réponse. Ok, on va y aller doucement. Doucement. J'ai dit doucement! Oh, un gyroïde! Je crois que c'est ça, c'est bien un gyroïde. Sautez pas, sautez pas, sautez pas. Oh purée, le stress. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Le coup du Pikmin qui... Le Pikmin de... Eh, vous savez pas aller dans l'eau, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, vous avez un minimum d'intelligence, heureusement. J'ai vraiment cru qu'ils allaient foncer dans l'eau. Il y a encore un objet? Non. Non, c'est bon, il n'y a plus d'objet. On va pouvoir rechercher Louis et purée, mais tout ce que j'ai perdu, en fait, comme item. Comme item de tout ce qui est... Ah bah ma manette reprend, hein. Non, non, mais par contre, non. Ok, d'accord. Je vais m'occuper de ma manette sur le moment parce que... C'est long, 250. Alors c'est un gyroïde. Buste de gyroïde. Ouais, j'avais raison, c'est un gyroïde. La manette qui me troll ce soir. Remarque, c'est pas le premier soir qu'elle me fait ça. Mais bon. N'en parlons pas parce que... J'aimerais quand même regarder que les Pikmin violets, ils font pas n'importe quoi. Allez, voyons voir le massacre. Ok, on a eu tout ça. 59. 59. Grotte terminée. Ça fait mal. 59. Ah bah on peut sauvegarder. Et c'est à ce moment-là, j'aurais perdu l'audio de Sony Vegas. Enfin, l'audio de Audacity, pardon. Sony Vegas ne fait pas l'audio. Quoique... Je sais pas. Vous avez récupéré 40% de la dette. D'accord. Bon, réflexe, hein, réflexe humain. Direct. Mais qu'est-ce qu'il fait, Louis? Il essaie de voler, Louis. Je suis un oiseau qui ne sait pas voler. D'ailleurs, il y a d'autres... A priori, il y a d'autres trésors.
Pour le reste de la journée, je pense qu'on va s'occuper des Pikmin. De la reconstitution des Pikmin. Des Pikmin jaunes. À voir le nombre d'effectifs des Pikmin jaunes. Je pense que c'est le mieux à faire, non? Surtout quand t'as la manette qui bug. Ah, la manette qui bug, elle va m'énerver. Mais un point! La manette, je vais la prendre, je vais la jeter, je vais faire. No. J'espère que ça fera. Ça aidera un petit peu. Bon, du coup, les Pikmin, ils sont sous-effectifs, les Pikmin jaunes, mais bon. Je pense qu'on aura de quoi faire avec la prochaine vidéo. Est-ce qu'on changera de. On va pas retourner ici, hein, dans la prochaine fois. J'en ai marre d'être ici, en fait. Non, en fait, on va aller. On va retourner dans la. Mais ma manette! Bon. Pour ce qui reste comme temps, je peux utiliser le pavé. Je pense vraiment que ma manette a commencé à rendre l'âme. Ça va, elle a tenu longtemps. Elle a tenu depuis bien avant que je faisais mes let's play. Et... 2014? Oui, j'ai eu la même manette à la même époque où j'ai connu Kixama, il me semble, je crois. Je pense. Ouais, elle a tenu quand même assez longtemps, la manette. Et pour ce que j'ai payé 1 euro. Bon, c'est dommage parce que je m'y suis attaché, la manette. Ah oui, elle clignote. Ah oui, d'accord, je la vois clignoter. Ok, d'accord, je peux plus bouger la manette. Bon, je crois qu'elle est morte. Aujourd'hui, nous sommes en... Ouais, bah, elle a rendu l'âme, je crois. Elle a faux contact au niveau du câble. Je la débranche carrément. Mais je fais comment pour sauvegarder, moi, du coup? Bon, bah, je crois que je vais devoir rechercher une autre manette. Purée, c'est super comment finir une vidéo. Allez, on finit une vidéo sur un arrêt sur image, parce que Ben, sa manette, elle est morte. Et cette vidéo, elle sortira dans bien longtemps, alors du coup... Oui. Du coup, je pense que j'ai demandé à mon petit frère si je pourrais emprunter sa manette de Play 4 lors des tournages. Mais il va falloir que j'installe les trucs sur le PC, ça va être long. À la limite, je peux aussi utiliser le gamepad, mais bon, je pense que c'est plus compliqué. Je pense que c'est plus compliqué d'utiliser une manette comme... d'utiliser un gamepad comme manette. Après, je suis pas contre, hein, mais bon. Est-ce que j'ai de nouveau accès aux commandes? Non, j'ai toujours pas accès aux commandes. Et maintenant, j'ai accès? Non, toujours pas. C'est bon, j'ai accès aux commandes. Eh ben, il a fallu en attendre du temps. J'en suis désolé, hein, mais bon... A priori, malheureusement, ma manette a rendu l'âme. Et là, je peux jouer avec le pavé. Mais bon. Franchement, c'est dommage que ma manette est morte sur le moment. Je suis désolé, mais... C'était une manette que j'avais énormément... Bon, ok, au niveau du prix, j'avais payé à 1€ dans un marché opus, mais... Franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que je... J'ai bien pris en main cette manette et voilà. Non, parce que je le vois, elle a tout le temps des faux contacts et du coup, ben là le bouton est clignoté carrément. Je pouvais plus l'utiliser. C'est franchement, je suis un peu triste sur le moment. Elle aura bien tenu cette manette, hein, quand même. Avec ça, j'aurais fait énormément de trucs comme des comme les let's play ou les courts-métrages Mario 64 bloopers que je ne referais pas. Peut-être un jour, mais je dis à chaque fois que je referai un jour un truc, mais au final j'en refais pas, quoi. Mais bon. Voilà, voilà. Bon, petit récap des dernières vidéos de ce qu'on a fait. Alors, on a récupéré le courage forgé qui vaut 100, le buste de Jirui qui vaut 250, le cristal suprême qui vaut 110. La coquille olimarnite qui vaut 40, le fossile colossal qui vaut 140, le germe anxieux qui vaut 50, l'œil éternel d'émeraude qui vaut 150, la larme de pierre que j'avais deviné, je rappelle, qui vaut 150, le trèfle de cristal qui vaut 150, le plateau hypnotique qui vaut 100, le mérite méconnu qui vaut 100,
Et au niveau des ennemis, ben 116. Ah, ça fait beaucoup quand même. Ça se voit qu'on a eu de la grosse bébête. Et là, bah, les Pikmin, là, ils ont fait vraiment une chute libre, là. Juste les deux premiers types, là, ils ont... Aujourd'hui, bah, en fait, c'est... Y'a quoi comme explosion qui en a tué? Y'a quoi comme explosion qui a tué des Pikmin? Je suis pas d'accord. D'où y'a une explosion qui a tué des Pikmin? Y'aurait une explosion que j'ai pas vue? Ou que j'ai oublié? Je me souviens pas d'explosion. Louis! Oh, excusez. Je viens de me faire mal à la gorge. Louis, ta tante a envoyé des biscuits. Je voulais en goûter un, juste un, mais il n'en reste plus une seule miette. Désolé, pour me racheter, je te nomme chef du biscuit. J'aurais bien fait la voix toute. toute cassée du vieux, mais là. Je vous avoue que j'ai un peu vrai. Je me suis vraiment fait mal à la gorge en essayant de faire la voix. C'était ma DTT, une autre copie d'Audacity. Hein? D'accord. J'espère que ça va pas me le casser. C'est pas comme si ce let's play... Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ok, mon PC, il est méchant. Voilà. Sûrement parce que le ventilateur, il appuie sur... Il appuie sur les touches. Bon, ben sur ce, moi je vous dis, bah tout le monde est portez-vous bien et on se retrouvera dans la prochaine vidéo de Pikmin 2.